Est-ce que tu penses que le Milan AC va faire un coup tactique au Parc des Princes contre ce PSG? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Milan AC. On va parler de ce PSG Milan. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, on aura un choc très palpitant avec ce PSG Milan. Je rappelle, le PSG est dans la poule de Dortmund, Milan AC et surtout Newcastle. Dortmund est dernier avec un point, Milan est troisième avec deux points, PSG est deuxième avec trois points. Le Milan a 2 points, PSG a 3 points et Newcastle 4 points. Maintenant donc, le perdant de ce match, les amis, aura un sacré retard. Même comme dans une interview, Olivier Giroud nous fait comprendre que ce match n'est pas décisif. Non, ça l'est. Ce match est décisif, les amis. Ce match est plus que décisif parce que, imagine, tu perds ce match derrière. Il va te rester 2 journées. Il va te rester 2 journées et dans les 2 journées là, tu auras déjà 3 points de retard. Ça sera très compliqué de revenir, très compliqué. Donc, c'est un match capital, les amis. Capital. Imagine si le PSG perd au Parc des Princes. Il se complique sérieusement la tâche. Est-ce que ce Milan là peut donc faire tomber ce PSG au Parc des Princes? Oui, le Milan c'est une très grande équipe. Le Milan c'est une grande équipe. Il peut faire tomber tout le monde. Après, ça va dépendre du système de jeu que va mettre en face Pioli, le coach du Milan AC. Mais sinon, c'est un choc. Un choc dont tout le monde peut gagner. Donne-moi ton avis en commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.